Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette de pommes de terre farcies à la viande hachée, cuites dans une sauce tomate. Une recette facile à faire et savoureuse. Pour les ingrédients, il nous faut 1 kg de pommes de terre à chair ferme, 250 g de viande hachée, 1 cuillère à soupe de persil ciselé, un oignon ciselé que j'ai fait revenir quelques minutes dans un peu d'huile d'olive. Et pour l'assaisonnement de la viande hachée, il va nous falloir une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de gingembre, un peu de poivre, du sel et un peu de piment fort. Et 350 à 400 g de purée de tomates ou de coulis. J'ai lavé et épluché mes pommes de terre. Ensuite, je vais les évider avec une cuillère parisienne. Vous pouvez utiliser également un vide-pomme ou une simple cuillère. Donc je vide juste le centre de cette façon. Et voilà, toutes mes pommes de terre sont prêtes. Je fais chauffer ensuite de l'huile et je vais faire frire les pommes de terre. Je les retourne quand elles sont dorées. Je ne cherche pas à les faire cuire, juste à les faire dorer. Je les retire ensuite de l'huile et je les place sur du papier absorbant et je les laisse refroidir. J'ai fait frire également la chair de pommes de terre. Je passe à la préparation de la farce. Je mélange la viande hachée, l'oignon que j'ai fait revenir, le persil. Je rajoute les épices, sel, poivre, cumin, gingembre, paprika et piment fort. Et je mélange bien. Ensuite, je vais garnir mes pommes de terre avec la farce. Et je laisse de côté. Dans un récipient, je vais mélanger la sauce tomate avec les mêmes épices que j'ai utilisées pour la viande hachée, sauf le cumin. Je vais rajouter également un petit peu d'eau et je mélange bien, donc l'équivalent d'un petit verre. Je prends un plat dans lequel je vais verser la moitié de ma sauce tomate. Je place d'abord la chair des pommes de terre que j'ai fait frire et égoutter. Et ensuite, je vais dresser les pommes de terre farcies. Je verse ensuite le reste de la sauce tomate. Je rajoute également le reste de la viande hachée que j'ai pas pu mettre dans les pommes de terre. Je couvre et je mets à cuire dans un four préchauffé à 190 degrés entre 50 minutes à 1 heure en vérifiant la consistance des pommes de terre. Et enfin, servir les pommes de terre farcies en sauce bien chaude, accompagnées de pain. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.